agricole, c'est sacré, je dis, y a, nous commençons à augmenter production de riz. Nous créons canal irrigation, canal drainage, nous réhabilitons route agricole, nous rehaussons Belgium, nous mettons campé plusieurs pépinières en cible, NIP, Grand Danse avec Nord-Ouest, pour arriver à planter 45 millions de pieds bois chaque année. Ce travail nous te promet, ce travail n'a pas travail. Travail pour nous vivre la vie meilleure et puis pour tout pays sous la terre qu'à respecter. Première année, administration Moïse Lafontaine, n'a pas travail pour qu'à vivre meilleure. Jeudi, c'est 6 février. Ça fait nous exactement 364 jours. Un an moins 11 jours, 11 mois 29 jours, moins 1 jour, pour faire un an. Et puis, nous avons prêté serment devant le représentant peuple, dans le Parlement haïtien. Nous avons prêté serment pour nous respecter la Constitution. Et nous avons prêté serment pour nous mettre l'État au service. Peuple. 12 mois après, moi je crois que je vous dis, hein, documentaire que nous sommes là, c'est pile bagaille. Moi pas ouais, là donne par exemple, sans dialysio dans l'hôpital au Fakmayo. Nous te jouons une graine sans dialyse, dans le pays qui a mal marché dans l'hôpital général. Nous réparer sans déjeuner et nous construire trois lots. Nous sommes dans l'hôpital au Fatma Okaï, nous sommes dans l'hôpital au Fatma Port-au-Prince, nous sommes dans l'hôpital au Fatma au Cap-Haïtien. Nous n'avons pas un centre de réception et de livraison de documents d'identité. CLDIO, il y a 22 à travers le pays. Même là, nous connaissons un petit problème parce que nous connaissons. Changement, c'est sous mauvaises habitudes que agit. Et les mauvaises habitudes ont la vie dure. Mais nous, le peuple a garanti que nous avons information. Nous avons travaillé pour que le système d'identité pays nous gomme pour le bien marcher. Pour ça fait, si nous voulons parler de carte d'identification nationale, grand pile. Puis avoir cap fait pour que d'ici 2 mois, on dit 3, pour nous qu'il y ait des promesses, j'en nous fait pendant la première année, hein, nous pourrons lancer une caravane d'identification sur tout le pays, hein, dans toute section communale, dans toute commune dans le pays, hein, sur 10 départements pays, hein, pour que tout haïtien, toute haïtienne, capable de gagner un cadre d'identification qui réellement qu'a identifié, vous avez dit, là où vivez dans l'autre pays, avec quatre là, ou capable d'identifier tout, parce que son quatre qui parle mon système avec un puce électronique là-dedans, qui est capable de permettre toute information, information personnelle, automatiquement, quatre ans passé, ou bien vous mettez. Empreinte pour prendre empreinte digitale, toute information est capable de monter avec système ZA, nouveau système ZA que le gouvernement travaille pour mettre sous pied. Grand pile travail qui est fait dans le pays, mais le documentaire ZA n'a pas qu'à montrer nous tout ça qui est fait pendant un an. Même si tout le monde a regardé, a attendu à comprendre que. Un pays côté ressources, je ne voulais pas parler de ressources financières, vous avez l'argent, pas facile. Un pays côté arbitrage difficile. Le tout bagaille dans le pays a ses priorités. Il est difficile pour faire choix sous priorité. Et c'est ça qui fait nous toujours virer tête nous vers. Promesse campagne. Promesse nous te faire,
pour nous rétablir l'armée. La médaille est toujours déjà rétablie. Et incessamment, l'état-major intérimaire là, n'a pas arrêté pour nommer tout membre de l'état-major intérimaire là. Et réparer le grand quartier général que nous connaissons, le lieutenant général là, bientôt. Dans le grand quartier général, là, qu'on y a, même leur réparation est beaucoup faite. Même qu'on y a un travail qui peut le faire avec le corps du génie militaire là, pour que nous ayons un grand quartier général réparé, qui semblait avec l'armée, ça nous remettre sous pied dans le pays. On l'armée qui parle au service du développement, on l'armée qui parle là pour protéger l'espace maritime, nous, l'espace aérien, nous, protéger les frontières, nous, suivre les frontières. Nous. On l'a mis qui parle là pour jouer le rôle de défense nationale. On l'a mis qui là pour que le, la police, qui lui-même son corps de proximité avec la population, le, la police pas capable, par exemple, dans un moment où il y a une grosse catastrophe naturelle, nous devons ça passer le cyclone Mathieu. C'est l'armée paysan minou qui est venu de nous. Mais si nous avons l'armée par nous, ce n'est pas ça que tu as pris. Aujourd'hui, nous avons une décision, nous rétablir l'armée d'Haïti. Quand il y a des gens qui sont d'accord, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais ce qui est important, c'est la démocratie. Le où font campagne, pour promettre, le peuple a voté pour promettre, c'est respecter la promesse campagne. Même gens avec l'État généraux sectoriel national, nous lançons là depuis mois août l'année passée, travaillons en pile pour nous joindre moun yo. Parce qu'il ne faut pas oublier, en Haïti, moun yo peut impliquer dans la politique en pile. Nous comprenons pour qui ça je vous dis. Après, en pile mois campagne, un an président. Moi, ouais, pour qui ça que moun va impliquer dans la politique. Mais je dis à ma dit, moun qui n'a majorité silencieuse là. Grand pile nous qui content pas vous. Nous content pour bel travail nous cap. Mais si pas de bon moun qui t'est décidé pour encourager à deux pour te entrer dans la politique là. Nous te gain droit à ni ça pas tout tout travail c'est fait dans pays là. Nous te gain droit pas vive l'espoir, ça n'a pas aujourd'hui. Jean m'a dit, sous chaque département pays, il faut chaque direction départementale bailler 100 km route chaque année. D'ailleurs, devant le palais national, l'équipement qui est allié pour nous livrer, département l'Ouest, équipement PAL, demain 7 février. Le 8 février, nous avons livré département Sud-Est, équipement PAL. Le 9 février, nous avons livré le département NIP, équipement PAL. Le 10 février, nous avons livré le département Sud et le département Grandens, équipement PAL. Ça veut dire, non seulement nous avons une grosse unité, nous avons parlé d'équipements usés que nous avons plus que 300 équipements qui sont dans le Sud, Grandens, NIP et dans la Tibonip, nous avons parti qui sont dans le centre, dans la zone Maïsab. Nous avons travaillé pour que toute direction départementale de travaux publics gagner équipement paio pour compétition, ça nous va le créer dans le pays. Compétition, c'est un match football qui a commencé à partir du carnaval là qui finit. Toute direction départementale dans le pays va l'obliger à construire 100 km route chaque année. Et nous allons attendre un an pour nous voir qu'on n'a pas fait travail là. Depuis sous 3 mois, ça veut dire chaque trimestre, mon évaluation qu'on a fait pour les 6 directeurs départementaux là. Respecter l'engagement. Ministère Défense, avec Embryon, unité, génie militaire que nous avons. Embryon, ça va commencer le travail en attendant que nous fassions recrutement pour jeunes garçons avec jeunes femmes rentrer dans l'armée pour venir servir le pays. Ministère Défense a un pile coup de main dans le travail. D'infrastructures qui ont fait dans le pays. Mais pas oublier, non seulement direction départementale,
qui ont même à travailler, ils ont parlé en compétition. Nous parlons mettre mairie en compétition tout. Parce qu'en principe, responsabilité commune, c'est sous compte mairie. Magistrat, il y a des promesses qui ont été faites. Le rôle du pouvoir central, là, c'est non seulement accompagner, mais créer conditions pour que la ville soit propre, pour que la façade caillou bien peinture, pour que fatra, il y a vraiment dans la ville, un système de traitement qui est installé, qui fait que la gestion qui fait de fatra ça, son gestion moderne. Nous avons travaillé pour nous quitter Haïti après 4 ans avec des indicateurs qui sont rouges. Parce que, moi, l'exemple, l'électricité. Sous chaque 100 Haïtiens qui vivent, c'est 12,5 qui ont accès à l'électricité. L'eau potable, c'est 30% de la population qui ont accès à l'eau potable. On a la santé. Il y a 29% de pays qui n'ont pas accès à un soin de santé. Ça veut dire qu'il y a 122 sections communales qui n'ont pas un centre de santé là-dedans. Éducation. Nous avons plus passé 10% pour la population. Si les gens qui ont l'âge de l'école, qui parlent de l'école. Donc l'effort qui fait, ça a peut-être plus qu'une décennie, c'était 25%, je dis à nous à 10%. Mais rêve pas nous, le nous a quitté. Pour voir en 2022, c'est à construire 15 000 salles de classe pour mettre possibilité et créer conditions pour professeurs bien formés pour nous capables de quitter l'autre 10% de monde qui parle l'école là pour nous quitter l'école. Travail en pile. Environnement, il y a pile de travail qui a fait. Au contraire, dans le documentaire là, gagner des affaires. 45 millions de bois parler. Mais dernier document que nous joignons de coordination caravane, non? Au lieu de 10 mégapépinières, c'est 14 qui vont le faire dans le pays aujourd'hui. Parce que l'étude qui fait, je rends compte, il faut bien 63 millions de bois par année pour arriver à sortir d'une couverture végétale, pas d'une couverture forestière, une couverture végétale pour arriver à 45%. De couverture végétale. Nous avons travaillé pour le programme que nous avons parlé de lui dans la campagne. Côté nous avons dit dans le curriculum de l'école, il faut nous ajouter en matière qui est le reboisement pour tout le monde de l'école obligé de planter pieds bois. Plus que 4 millions de monde qui parlent de l'école dans le pays, il faut tout le monde de planter pieds bois. Et dans le canet, il faut en matière qui est le reboisement. On note que vous pouvez le faire pour le boisement, qui pour permettre que le pays a des gens qui ont droit pour aller à l'école, mais il y a des devoirs pour planter des boîtes. Dans le même programme, ça, nous travaillons pour que les paysans qui étaient dans le bassin hydrographique, nous ne voulons pas aller au gros château de pays. Nous connaissons que Haïti a 5 gros bassins hydrographiques. Nous parlons de programme pour que les paysans arrivent dans une zone qui est toujours à couper des bois pour faire charbon. Pour nous mettre dans un programme pour nous planter pieds bois et pour nous capables de gérer pieds bois. C'est-à-dire qu'on nous paye pour nous planter pieds bois. Parce que dans pile projet sur le reboisement dans le pays, en pile amis dans l'international, il y a des gros projets. Tant qu'on a un projet, 40 millions, 30 millions, qui parlait déjà par année pour le pays. Nous avons travaillé pour que tous les partenaires nous aillent, nous parler avec eux. Nous, pour nous faire une seule route qui permette que reboisement, protection environnement n'a pas qui chita sur reboisement, curage rivière, protection ravine, correction ravine, pour nous chita avec partenaire pour une seule route que nous faisons, route reboisement, route curage avec route protection ravine. Nous travaillons dans faire renforcement de l'État. Nous prenons exemple 50 jeunes qui pour intégrer l'administration publique, là, qui rentrent dans l'administration sous forme de concours. Ça n'a pas fait quelques jours dans le pays.
Nous prenons décision ça, c'est pour que jeunesse là, les commencer quoi dans le pays. Parce que là, on dit mon à l'école, les fin fait classe secondaire là, dans l'université. Seul rêve lui, c'est pour le capable de joindre un travail ou bien un business pour le capable de gagner la ville. Maintenant, décision que nous prenons, qui a fait que je dis, au monde pour intégrer l'État, il faut OMRH valider le concours là ou bien lui-même organiser le concours là. Pour qui ça? C'est parce que trois ressources à partir du pays, je dis, un fort travail pour que les ressources nous fassent dans notre pays. Il y a un engagement qui est plus important que nous prenons envers vous et envers tout le pays. Ensemble avec l'équipe, nous travaillons pour réaliser tout ça que nous prenons. Dans la première année, l'administration Moïse Lafontaine, nous pensons envers vous et à toute la famille Haïti.